On est dans une série intitulée « Une vie changée ». Parce que le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons, que nous déclarons, que nous confessons dans ce lieu, est un Dieu de miracles, un Dieu vivant, un Dieu qui change et transforme nos vies. Quand on le connaît, ça change tout. On a parlé tout à l'heure de le connaître, c'est la vie éternelle. Quand on connaît, ça change tout. Si vous le connaissez et que ça ne change rien, c'est que vous n'avez rien connu. C'est que vous connaissez peut-être juste un extérieur, une étiquette, une apparence. Mais connaître Dieu, c'est une expérience. Connaître Dieu, ce n'est pas une dimension intellectuelle en disant « Ah, je ne savais pas, maintenant je sais ». Non, connaître Dieu, et puis c'est un vocabulaire qu'on retrouve assez souvent dans le Nouveau Testament, c'est manger avec lui. C'est souper avec lui, c'est prendre du temps en communion avec lui. C'est pas juste, ah, je connais son nom. Je suis sûr qu'il y a des gens, vous connaissez leur nom, non? Je vous parle d'Elisabeth, vous connaissez son nom. Hein? Vous connaissez Elisabeth? C'est la reine du Canada. Elle est sur tous vos billets de banque, vous avez même sa face. De dire, oui, bon, ben, on sait qui c'est, mais on la connaît pas tant que ça. Non, non, je veux pas être attaché à elle. Bon, peut-être, mais vous connaissez telle... Vous connaissez Donald Trump? Ça vous dit quelque chose? Non, mais vous le connaissez. Si on vous dit son nom, ça vous dit quelque chose. Hein? Puis si vous allez à New York, vous avez une tour, c'est marqué en gros, on sait qu'il est là. Bon. Mais il y a des noms comme ça, on les connaît. Mais on ne veut pas connaître Jésus comme ça. En disant, ah Jésus, je connais, il y a des crucifix un peu partout au Québec, on connaît Jésus. Non, non, non. Ce n'est pas juste connaître un nom, connaître une réputation, connaître quelqu'un de loin, mais de dire Jésus, c'est mon ami. Jésus, je le connais de près. J'entends sa voix et il me parle, il m'aime et il me soutient, il me dirige, il me conduit, c'est mon bon berger. Et nous sommes dans cette série intitulée « Une vie changée » parce que vraiment ça change tout quand on connaît Jésus. Et parce qu'on ne veut pas juste dire des mots et que ce soit que de la théorie, mais vous prouver s'il le fallait, surtout pour ceux qui sont sceptiques, de dire « non, non, mais c'est vrai ». C'est vrai, ce message change, ce message transforme. Et depuis plusieurs semaines, vous avez noté que chaque dimanche, il y a quelqu'un qui vient à ce micro dire « Moi, je peux rendre témoignage. Il l'a fait dans ma vie, ça a tout changé. » Et ce matin, je vais demander à Gilbert de venir nous dire « Est-ce qu'il y a vraiment du changement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie depuis le jour où Jésus est rentré dans son cœur? » Bonjour. Vous me donnez combien de temps, pasteur? Bonjour. Moi, effectivement, je suis né d'une famille de 16 enfants, dont le seul qui est chrétien dans la famille. Dans les années 93-94, on a rencontré un couple d'amis qui s'appelle Carmen et Robert, qui sont chrétiens à l'église évangélique de Varennes. Et à toutes les fins de semaine, on se rencontrait au chalet et il nous parlait de temps en temps de Dieu. Mais je connaissais déjà Dieu. Je priais puis tout ça, mais je le connaissais déjà. Mais je ne le connaissais pas comme aujourd'hui. Et au travers de tout ça, c'est qu'à un moment donné, eux autres, ils nous demandaient d'inviter des gens de leur église, venez passer une journée, une fin de semaine au chalet. Ah, j'aurais des... Je voulais donc qu'il pleuve pour être capable de rester à l'intérieur du chalet pour pas que mes voisins me voient. Mais c'était pas à cause de Jésus. C'était à cause de moi. Je voulais pas que les gens me voient moi et non Jésus. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière, parce qu'aujourd'hui, je connais Jésus, je sais qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Premièrement, il a changé mon orgueil, mon paraître. Je voulais que si un voisin avait quelque chose, il fallait que j'aille quasiment autant que lui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Jésus, ce n'est pas ça qu'il veut. Jésus, il veut que le premier, il soit le premier dans ta vie. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui. J'ai Jésus le premier dans ma vie. Et on a accepté Jésus en 2006, moi et mon épouse, en même temps. On a été baptisés en 2006, les deux en même temps. Et j'ai cheminé beaucoup au travers de
de tout ça depuis 2006. J'ai cheminé beaucoup, je me suis impliqué beaucoup, dont encore. Et je demande à Dieu à tous les jours qu'il continue à m'impliquer pour lui. Parce que tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pour lui et non pour moi. Pour lui, premier, en premier. Et ça, là, vous tous ici, là, je sais que vous avez fait un peu des cheminements différents, mais les gens qui veulent rendre des témoignages, là, parlez, venez parler de Jésus en avant. Venez parler de ce qu'il a fait pour vous, puis ce qu'il fait encore pour vous, et ce qu'il va faire pour vous plus tard. C'est que, tu sais, des fois, on pense que Dieu nous oublie. Hein? Ben non, il ne nous oublie pas. C'est nous qui pensons qu'il nous oublie. Parce que c'est nous, des fois, qui va s'éloigner un petit peu de lui pour X raisons, X, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mais quand on prie, on se rapproche de lui et là, il nous montre vraiment le chemin qu'on doit suivre. Et ça, aujourd'hui, je lui rends grâce. Puis je rends grâce à tous vous autres aussi parce que vous êtes mes frères, mes sœurs. Et ce que je veux de plus, c'est de continuer à l'aimer. À l'adorer. Merci. Alléluia. Quand on rencontre Jésus, ça vient tout changer et ça vient changer le sens de notre vie et on ne vit plus pour les mêmes buts et les mêmes objectifs. Je vous invite ce matin à... On lit la Bible hein, chaque dimanche ici dans cette église parce que la Bible c'est important pour nous. C'est notre livre qui nous conduit, qui nous dirige, c'est la parole de Dieu qui est la vérité et cette lumière sur notre sentier. Et je vous invite à rester ce matin dans le début de l'évangile de Jean et les toutes premières histoires de l'évangile de Jean. Donc, hormis le prologue, comment ça se passe avec les premiers disciples? Je vous propose de commencer avec le verset 26, Jean 1, 26. Et premièrement, avec comme titre « Voir Jésus ». Et vous invitez à être attentif, peut-être pour ceux qui disent « Ah, mais ces passages, on les connaît ». Mais je vous invite à le lire d'une manière plus attentive et voir que finalement le mot « voir » arrive souvent dans ce texte-là. « Voir Jésus ». Jean, chapitre 1er, verset 26. Alors, il est question de Jean, et c'est Jean-Baptiste ici. Jean-Baptiste leur répondit « Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous ». Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, c'est Jésus qui nous le dit, et il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Est-ce que ça se pourrait ce matin qu'il y ait quelqu'un au milieu de nous que vous ne connaissez pas? Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Verset 27, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus. Et j'insiste sur le verbe voir ici. Le lendemain, il voit Jésus. Il a vu Jésus. Vous conjuguez ça comme vous voulez. Mais il a vu Jésus. Il vit Jésus venant à lui. Alors il parle. Et s'il fait une déclaration capitale, c'est parce qu'il voit Jésus. Et quand il voit Jésus, les autres voient juste un homme. Les autres voient juste un jeune homme. Ou d'autres disent, c'est pas son cousin. D'autres disent, c'est qui ce Jésus? C'est pas un charpentier? Est-ce qu'il n'a pas un commerce à Nazareth? Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus, il voit un agneau. On va dire, là quand même, est-ce que Jésus avait des cheveux tellement bouclés que ça ressemble à un agneau? Ça n'a rien à voir. Jean voit Jésus comme les autres ne le voient pas. Et ce matin, je vous invite à voir Jésus comme peut-être vous ne l'avez jamais vu. Je joue avec le mot « voir ». Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que vous pouvez voir ce que quelqu'un dit? Vous comprenez que le mot « voir » veut dire plus que « voir ». Et Jean-Baptiste a vu Jésus. Et quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu » qui ôte le péché du monde. Comment est-ce qu'on peut voir ça?
Comment est-ce qu'on peut voir Jésus et dire « c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Parce que Jean a une révélation, et peut-être même on dirait une révélation prophétique, c'est pas pour rien qu'on l'appelle prophète, et il connecte Jésus à la prophétie du prophète Ésaïe. Et c'est exactement ce qui se passe dans le prophète Ésaïe, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez, Ésaïe 53:7, il est question de quelqu'un qui est maltraité, opprimé, sans, qui n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau. Et Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un dont il est question dans Ésaïe, qui est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, ce Jésus, il est semblable à cet agneau prophétique de Ésaïe. Regardez, je continue avec Ésaïe et vous allez noter que je le lis à l'envers, mais c'est volontairement. J'ai commencé avec le verset 7, maintenant j'arrive au verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et qu'est-ce que dit Jean ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et le prophète Ésaïe avait parlé d'un agneau qui allait être comme une victime, un sacrifice pour que les péchés soient pardonnés et qu'au lieu de la condamnation, ce soit la paix et que dans ses meurtrissures, nous soyons guéris. Mais je reviens maintenant au verset premier. Vous voyez, je relis Ésaïe à l'envers. Ça commence comment le verset premier ? Ésaïe 53:1, qui a cru ? Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Et c'est exactement ce qui se passe à l'époque de Jean-Baptiste et qui peut se passer ce matin. Qui croit ? Qui reconnaît ? Qui voit ? Qui est Jésus ? Regardez au verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, oula, c'est pire que Zaché ça, d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour attirer le regard. Et Jésus n'avait rien de charismatique, il n'avait rien de, comment dire, de « waouh, c'est qui lui ?» Non, il n'avait rien pour attirer le regard, mais Jean le voit. Et quand Jean voit Jésus, il dit « voici l'agneau de Dieu ». Et ça, c'était, on a lu ça au verset 29, mais le lendemain, il dit la même chose. Je relis Jean 1, 29. Le lendemain, il voit Jésus et dit, je le lis dans une autre traduction. Le lendemain, il voit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu. Mais au verset 30, il redit ça encore. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi, je ne le connaissais pas. Voyez les mots qui sont là, Jean dit je ne le connaissais pas, mais maintenant je l'ai vu et je sais et je connais qu'il est l'agneau de Dieu. Et peut-être que quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus et a besoin comme Jean de voir et de connaître. Il dit je ne connaissais pas, mais au verset 32 il dit j'ai vu. Voyez le mot voir qui revient encore. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Il recommence à dire les mêmes mots. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras. Tu ne connais pas, mais quand il a vu, il a connu. Et ce matin, il y en a qui ont besoin de voir pour connaître. Je ne le connaissais pas, mais quand j'ai vu celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et il dit au verset 34, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est comme un verset clé pour nous ce matin, il y a deux actions ici. Un, j'ai vu. Deux, j'ai rendu témoignage. Et on attend d'un témoin qu'il rende témoignage de ce qu'il a vu. S'il y a un accident quelque part, un accident de voiture, un feu, n'importe quoi, et quelqu'un dit « je veux bien rendre témoignage, qu'est-ce que tu as vu ?» Rien. Que vaut son témoignage ? Son témoignage va être des suppositions, va être des « ah, mais je les connais, ils ont dû laisser le poêle, et c'est pour ça que la maison a pris feu. Ah, je sais, il doit y avoir un Samsung quelque part, c'est pour ça que la maison a pris feu, ou il doit y avoir telle ou telle affaire. » Non, si tu n'as rien vu, tu ne peux rien dire.
Mais Jean dit, et j'insiste sur les verbes ici, c'est pas pour rien qu'ils sont là, parce que l'évangile de Jean est très théologique. Il dit au verset 34, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage. » Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont vu Jésus? Est-ce qu'il y en a ce matin qui peuvent dire, « Je sais, j'ai contemplé sa gloire, j'ai vu, j'ai connu. » Mais ce n'est pas simplement « j'ai vu ». J'ai rendu témoignage. Si tu as vu ce matin, il va falloir rendre témoignage et on va y revenir. Dans son épître, la première épître de Jean, Jean utilise le même vocabulaire. 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Il dit, et je lis dans la Bible en français courant, « Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. » Et Jean insiste sur le fait qu'on l'a entendu. Et pas seulement quelqu'un nous a raconté, mais on l'a vu, et on l'a vraiment vu, on l'a vu de nos propres yeux, et nous l'avons regardé, et même nos mains l'ont touché. Vous voyez, Jean insiste sur le fait que ce qu'il raconte, que son témoignage, que sa prédication, que son enseignement, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas « oh, j'ai l'impression que ». Il dit « non, je l'ai entendu, je l'ai vu de mes propres yeux et on l'a regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie ». Et il dit au verset 2 « cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue ». Il insiste beaucoup sur le fait qu'il l'a vue. « Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, comme Jean-Baptiste ». On a vu et on rend témoignage. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. C'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Et le principe du verbe révéler ici, le voile a été ôté, maintenant il voit. Et si Jean dit, on peut vous rendre témoignage, c'est parce qu'on l'a vu. Et il redit au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et à cette époque-là, en tout cas, au temps où Jean écrit, l'apôtre Jean, il ne faut pas se tromper, il y en a deux Jean ici, mais au temps où l'apôtre Jean écrit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, il dit aussi, nous vous l'annonçons. Et là je m'adresse aux chrétiens, si vous avez vu quelque chose, si vous avez entendu, c'est votre responsabilité de l'annoncer. Et pas dire ce que j'ai vu, je le garde pour moi. Ce que tu as vu, l'apôtre Jean dit, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché, ce qu'on a connu, on est dans la responsabilité d'être témoin et d'annoncer ce que nous avons vu. Maintenant, on ne peut pas annoncer ce qu'on n'a pas vu. On ne peut pas rendre témoignage de ce qu'on n'a pas vu. C'est important de voir ce matin. Et si quelqu'un dit, moi, j'ai rien vu, la première chose, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tu vois Jésus. Il faut que tu comprennes qui il est. Il faut que tu entendes sa voix. Il faut que tu le touches. Il faut que tu expérimentes. Pas simplement que tu aies une déduction intellectuelle. La foi, ça n'a rien à voir avec une adhésion intellectuelle. La foi, c'est vivre. C'est expérimenter. C'est pouvoir rendre témoignage de ce que l'on sait être vrai. Et si on sait que c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est logique. Si on sait que c'est vrai, c'est parce qu'on l'a touché, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on l'a vu. Deuxièmement, je vais insister sur le fait de suivre Jésus. Suivre Jésus. Pas simplement le voir, pas simplement l'entendre, pas simplement le connaître, mais le suivre. Et techniquement, suivre Jésus, on pourrait le résumer ainsi, c'est être son disciple. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui le suit. Alors, je reviens au début de l'évangile de Jean. Jean-Baptiste vient dire, voici l'agneau de Dieu. Il l'a vu et il rend témoignage, voici l'agneau de Dieu. Et tout ça va amener une réaction en chaîne. Jean 1, 37. Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc c'est la deuxième fois qu'il le dit. Et au verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Vous voyez l'enchaînement ici. Premièrement, Jean voit Jésus et il voit l'agneau de Dieu. Il rend témoignage de qui est Jésus. Et ceux qui l'entendent, qui entendent ce témoignage, suivent Jésus. Sauf que là, ici,
quand ils décident de suivre Jésus, c'est parce qu'ils veulent en savoir plus sur Jésus. Ils étaient disciples de Jean, c'est-à-dire qu'avant, ils suivaient Jean-Baptiste. Et maintenant, parce que Jean-Baptiste a donné cette parole, ils veulent passer de disciples de Jean à disciples de Jésus. Et quand ils suivent Jésus, Jésus se retourne, verset 38, Jésus se retourne et voyant qu'il le suivait, encore voyant, vous voyez, il y a beaucoup de verbes voir ici, et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous ?» Et ils comprennent que suivre Jésus ici, c'est une quête. Ils cherchent quelque chose. Et Jésus leur dit, « Mais vous cherchez quoi au juste ? Quelle est la question qui est dans votre cœur ? Que cherches-tu ce matin ? Pourquoi es-tu venu à l'église ? Quelle est la question qu'il y a au fond de toi ? » Et Jésus dit, « Que cherchez-vous ? Pourquoi suivez-vous Jésus ? Quelle est la question à laquelle tu cherches une réponse ?» Et ils répondent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » Et on pourrait se dire, « Mais c'est quoi l'affaire ? Ils sont juste curieux de savoir où il habite ? Ils veulent juste connaître son adresse ? Ils veulent juste savoir, mais t'as un lit king size ou queen size ? » Comprenez, ce n'est pas ce genre de questions ici. Ils ne sont pas en train de dire, mais t'habites où ? Est-ce que t'habites dans le quartier est ou dans le quartier ouest ? Non. Ici, pourquoi est-ce qu'ils demandent où demeures-tu ? C'est parce qu'ils veulent être là où Jésus est. Et demeurer ici, ils veulent demeurer avec Jésus et être avec lui dans sa présence. Et Jésus répond cette phrase, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent. On a deux verbes ici, « aller » et « voir ». Jésus dit, « Venez et vous verrez. Venez et voyez. » Et c'est ce qu'ils font. Ils viennent, ils vont et ils voient. Et là, les disciples vont se retrouver dans la position de Jean-Baptiste au départ. Jean-Baptiste, au départ, est le seul qui avait vu Jésus. Il était dit, Jean a vu Jésus et il a dit, c'est l'agneau de Dieu. Les disciples décident de suivre Jésus et Jésus dit, vous, il faut que vous voyez aussi. Mais comment pourrait-il voir ? Pour voir, il faut qu'il vienne. Venez et voyez. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est quelqu'un dit, mais j'ai l'impression que vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, que vous avez compris quelque chose que je n'ai pas compris, que vous semblez voir des choses dans cette Bible que je ne vois pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, Jésus dit, venez, approchez-vous, venez dans ma présence, venez là où je demeure et vous verrez. Et ce n'est pas simplement au premier degré qu'il faut prendre cette phrase, c'est dans un sens spirituel. Je relis ça dans la Bible en français courant. Il leur répondit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi. « Viens et vois. » Ce matin, si tu veux voir Jésus, si tu veux comprendre, voir plus que le voir de tes yeux, mais saisir, réaliser, et pouvoir avoir une parole de conviction en disant « Je peux te parler de Jésus parce que je l'ai vu. » Si tu veux le voir, il faut que tu t'approches. Il faut que tu viennes. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu rentres dans sa présence. Viens et vois. Le texte continue au verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Et ce André-là, il est dit au verset 41, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et notez bien tous les décalages qu'il y a dans ce passage-là. Jean voit Jésus et il dit, « C'est l'agneau. » Et voilà que André voit Jésus et il dit, « C'est le Messie. » Mais comment est-ce que ça se voit que c'est le Messie ? Ce n'est pas marqué sur son front, mais quand il voit Jésus, il comprend que Jésus est plus qu'un homme, qu'il est plus qu'un prophète, qu'il est plus qu'un charpentier, qu'il est le Christ, le Messie, le Saint de Dieu. Et on comprend qu'il a vu plus que d'une vue naturelle ici. Il y a une vision spirituelle, il voit Jésus comme étant le Messie. Comment vois-tu Jésus ce matin ? Est-ce que Jésus, c'est juste le crucifix que tu vois à la croisée de telle et telle rue ou dans tel bâtiment, tu vois un portrait de Jésus ? Est-ce que c'est juste ça, Jésus, pour toi ?
ou est-ce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, ton Sauveur? André a pu voir Jésus comme étant le Messie parce qu'il a suivi et parce qu'il est venu. Il a suivi Jésus, Jésus lui dit viens, il est venu et il a vu. Et il a vu davantage que ce que ses yeux peuvent lui montrer. Il a vu que Jésus est le Messie. Je reviens au verset 41. André rencontre son frère Simon. Et notez bien que André ne dit pas ce que j'ai vu, je le garde pour moi. André dit ce que j'ai vu, il faut que mon frère le sache. Son frère, dans sa famille ici, il dit j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai saisi que Jésus est le Christ, le Messie, il faut que ma famille le sache. Mon frère de sang, son propre frère, Simon, il faut qu'il sache. Alors il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Est-ce que c'est comme ça que nous vivons notre foi aujourd'hui? Lorsque tes yeux s'ouvrent, lorsque tu vois, lorsque tu sais, lorsque tu comprends que Jésus est plus que ce que les tableaux du Moyen-Âge nous montrent, ou ce que les crucifix peuvent nous montrer, ou ce que la religion peut nous dire, mais que Jésus est vrai, qu'il est réel, et que... On peut le toucher, on peut l'entendre, on peut le voir, qu'il est sauveur et qu'il n'est pas simplement sauveur du monde, mais qu'il peut être mon sauveur et changer ma vie. Et André dit, j'ai trouvé le Messie. Il n'a pas gardé ça pour lui. Aujourd'hui, si tu connais Jésus, garde pas ça pour toi. Dis-le aux gens de ta famille. Dis-le à ceux qui t'entourent. Dis-le ce que j'ai vu, la révélation que j'ai. Je veux que tu le saches. Et pas simplement... Il ne s'est pas contenté de dire « j'ai trouvé Jésus ». Il est dit dans le verset juste après, il vient de dire « nous avons trouvé le Messie ». Il est dit au verset 42 « et il le conduisit vers Jésus ». Ce n'est pas simplement « je te dis ». Ce n'est pas simplement « je te dis que j'ai trouvé Jésus ». Mais il le prend et il l'amène vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Ou la Darby a traduit « il le mena à Jésus ». Ou la Tob a traduit encore « il l'amena à Jésus. Est-ce que ce matin, tu peux dire, et là c'est une question entre toi et Dieu, tu as amené combien de personnes à Jésus? Tu diras, ah, c'est pas ma job ça. Comment ça c'est pas ta job? C'est la job de qui? Ah, c'est le pasteur qui doit faire ça. Vraiment? Là c'est juste un gars ordinaire qui s'appelle André, qui a trouvé Jésus, qui a trouvé un trésor, et qui décide de ne pas garder ce trésor pour lui tout seul. Mais il veut partager la bonne nouvelle à son frère, à sa famille. Et il dit, nous avons trouvé le Christ. Et pas simplement, je te le dis, puis tu fais ce que tu veux. Mais il faut que tu le vois toi aussi. C'est ça. Et il dit, viens avec moi, je t'emmène. Et il le conduit à Jésus. Et nous avons tous, en tant que chrétiens, la responsabilité, pas simplement de dire. Vous savez, il y en a qui se lavent les mains un peu vite en disant « Oh, moi, j'ai mis un prospectus dans leur boîte aux lettres, puis ils se débrouillent avec ça. Moi, je leur ai juste dit que Jésus, et puis je leur ai dit, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. » André n'a pas dit « Je l'ai dit à Simon, mon frère, et il fait ce qu'il veut avec ça. » Il a dit « Il faut que tu viennes. » Il le prend et il l'amène à Jésus. Et c'est ça l'Évangile. Et si nous voulons vivre l'Évangile aujourd'hui, si nous voulons être des chrétiens comme au temps de l'Évangile, il ne faut pas se contenter de dire à quelqu'un, tiens, le chemin c'est par là, tu veux, débrouille-toi. Tu le prends et tu l'emmènes. Vous avez remarqué que des fois, il y a des gens très serviables. C'est vrai que maintenant, avec les cellulaires et puis les GPS, c'est un peu plus difficile de se perdre. Mais à certains moments, quand on était dans une grande ville qu'on ne connaissait pas, on avait une carte qu'on n'arrivait pas à lire ou on n'avait pas de carte du tout. Et puis on cherche un lieu, un bâtiment, une adresse, puis on est complètement perdu. Et parce qu'on est perdu, on demande le bon chemin. Et on voit quelqu'un qui est là, on dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est telle adresse? J'ai besoin d'aller là. Alors, je ne sais pas, ça peut être toutes sortes d'adresses. J'ai besoin d'aller là. Il y a ceux qui vont dire, écoute, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu prends à droite. Quand tu es à la lumière, tu prends à gauche, après tu vas à droite. Tu vois là, la rue à gauche, ben, ce n'est pas là. Tu vas de l'autre côté. Et puis, ils vous donnent tout un truc. Puis dit. Puis vous dites merci, merci, c'est gentil. Puis vous essayez, puis il a dit à droite ou à gauche là.
le virage, et puis on se perd. Ça m'est arrivé, hein, quand je suis arrivé à Drummondville, une fois quelqu'un m'a dit « Ah, vous pouvez venir chez moi, c'est pas compliqué, au premier stop, vous tournez à droite et tout. » Puis j'ai tourné à droite au premier stop, puis finalement, c'était pas le premier, c'était le deuxième arrêt, où on n'avait pas compté les arrêts pareils. Et puis j'ai tourné en rond et en rond. Puis il y a des gens qui disent « c'est compliqué, écoutez, suivez-moi, je vous emmène. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Bon, peut-être que ça ne se fait plus maintenant, mais ça se faisait dans le temps. Ou quelqu'un disait, mais je vous emmène, écoutez, je passe pas loin, et puis qu'ils vont faire un détour, suivez-moi, je vous conduis, puis vous le suivez, puis il dit, voilà, c'est là. C'est ça, conduire quelqu'un à Jésus. C'est pas juste lui dire, tu vas dans cette direction-là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, et puis tu y arrives. Non, non, tu lui dis, suis-moi, je t'emmène, je te conduis, je connais le chemin, je suis déjà passé par là. Suis-moi, je t'emmène à la bonne adresse. Et un chrétien est appelé à conduire à Jésus. Pas simplement à pointer du doigt en disant « Jésus, c'est par là-bas, débrouille-toi ». Non, non, c'est important et c'est tellement important que tu rencontres Jésus que je vais te conduire, que je vais t'emmener, que je vais m'investir. Alors, verset 42, je reviens, « Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. » C'est le verbe « voir » encore qui est là. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ici évidemment on est dans un contexte culturel qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un vivait quelque chose de majeur, qu'il y avait un changement, une transformation, une vie nouvelle, son nom changeait. Il pouvait s'appeler peut-être Jacob le gars avant. C'était un menteur, c'était un trompeur, c'est ce que signifiait son nom. Mais parce qu'il rencontre Dieu sur cette montagne et que là, il va même se battre et puis qu'il va passer toute la nuit dans la présence de Dieu sur cette montagne, son nom va changer, il va s'appeler Israël. Et parce qu'il y a un changement significatif dans sa vie, son nom change. Il s'appelait Abraham, il va s'appeler Abraham. Et là, de la même manière, ce gars-là, il s'appelait Simon. Mais maintenant, il s'appelle Céphas. Et juste ce changement de nom me dit que sa vie a changé. Sa vie a changé radicalement. Il n'a plus le même nom. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On ne sait pas plus que ça. On sait juste que parce qu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. C'est plus le même gars. Avant, c'était quelqu'un qui s'appelait Simon. Maintenant, c'est quelqu'un qu'on appelle Pierre, qu'on appelle Céphas. Et dans l'évangile de Marc, et je ne vais pas lire le texte, mais on a le même récit qui est raconté différemment, où quand Jésus rencontre justement Pierre, il lui dit, tu étais un pêcheur de poissons, maintenant tu vas être un pêcheur d'hommes. Son nom change, sa vie change, sa mission change. Quand on rencontre Jésus, c'est une vie changée, une vie transformée. Verset 43, le lendemain, et vous comprenez qu'il y a beaucoup de lendemain, hein, si vous comptez aussi dans ce texte-là, le lendemain, le lendemain, le lendemain, c'est comme s'il y a une étape suivante. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Je relis ça dans la Derby. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée et Jésus trouve Philippe. Hein? Dans la Bible, Louis II, c'est traduit par « rencontra ». Dans la Derby, c'est traduit par « il trouve ». Parce que c'est le verbe « eurisko » ici. Vous connaissez l'expression « eureka ». Ça vous dit quelque chose, ça ?« J'ai trouvé ». Mais ici, c'est le même verbe. « Il trouve Philippe et il lui dit « suis-moi ». Dans la Tob, c'est traduit ainsi aussi. Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée et il trouve Philippe et lui dit « suis-moi ». Et le verset 44 nous dit, le verset d'après, « Philippe était de Bethesda, de la ville d'André » et de Pierre. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a différents moyens, il y a différentes façons, que si André a dit à son frère Simon, il faut que je te conduise vers Jésus, Philippe fait partie de la même ville que André et Pierre, mais ce n'est pas André qui lui a dit. Et ce n'est pas Pierre qui lui a dit. Mais Jésus l'a trouvé, l'a rencontré. Et ça peut arriver de toutes sortes de moyens. Mais nous avons notre responsabilité, mais là, en l'occurrence, Philippe, eh bien, c'est Jésus qui l'a trouvé. J'arrive au troisième point, parler de Jésus. Voir Jésus,
c'est capital. Suivre Jésus. Et quand on suit Jésus, c'est là qu'on le voit et qu'on le voit davantage encore et qu'on le connaît. Mais comme je l'ai amorcé tout à l'heure, nous devons parler de Jésus. Jean 1, 45, Philippe rencontra Nathanaël et dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Je relis ça dans la Bible en français, dans la Darby. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit. » Ou dans la Bible en français courant, Philippe rencontra Nathanaël et dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. » Est-ce que vous saisissez là où je veux en venir ? J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que Jésus trouve Nathanaël, que Jésus trouve Philippe. Si je vous mêle, ça va aller mal. Il est dit clairement dans le texte, Jésus a trouvé Philippe. Jésus a rencontré Philippe. Et qu'est-ce que Philippe dit à Nathanaël ? J'ai trouvé Jésus. Qui a trouvé qui ? Vous comprenez ? Jésus rencontre Nathanaël. Il y a une rencontre et Jésus résolu. Il est décidé d'aller en Galilée, il rencontre, il trouve Philippe. Et Philippe dit à un autre qui s'appelle Nathanaël, il dit, nous avons trouvé. Et on voit qu'ici, la clé, le verbe trouver est important. As-tu trouvé ce que tu cherches? Que cherchez-vous? Viens et vois. As-tu trouvé ce que tu cherches? Et on va dire, c'est Jésus qui m'a trouvé. Mais lui dit, c'est moi qui l'ai trouvé. Et ce matin, qu'importe, Jésus veut te trouver, mais toi, tu dois le trouver aussi. Et qu'il faut qu'il y ait cette synergie là quelque part en disant, Philippe dit clairement à Nathanaël, il ne dit pas « Jésus m'a trouvé », il dit « Je l'ai trouvé, j'ai compris, mes yeux se sont ouverts, j'ai réalisé, mais c'est Jésus qui lui a parlé, il dit « Nous avons trouvé quoi ?» Et là encore, de la même manière que Jean-Baptiste voit l'agneau de Dieu, de la même manière que André a vu le Christ, lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes ont aussi parlé. C'est un peu long hein, comme phrase. Il dit, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. On va dire, peut-être un peu moins précis théologiquement parlant. Il ne dit pas, c'est le Messie. Il ne dit pas, c'est le Christ. Il dit, il s'appelle Jésus. Bon, déjà, il a le bon nom. C'est le fils de Joseph. Presque. Hein? Ce qui n'est pas tout à fait le fils de Joseph. Mais une chose est sûre, il comprend que c'est lui qui est l'accomplissement de ce que Moïse avait dit, de ce que la loi avait dit, de ce que les prophètes avaient dit. Ça s'appelle le Tanakh, c'est-à-dire la Bible des Juifs, l'Ancien Testament. Moïse, c'est la Torah. La loi, Moïse, c'est ça. Moïse, la loi, c'est la Torah, le Pentateuque, les prophètes, les Névim. Donc en fait, il dit tout ce que la Bible de leur époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament, tout ce que la Bible dit, c'est de lui dont il parlait. Il a compris ça. Il n'a pas dit Christ, il n'a pas dit agneau de Dieu, mais il a compris ça. Et on comprend que chacun, en s'approchant de Jésus, comprend peut-être à sa manière, mais n'a pas encore tout saisi. Ce n'est pas parce que Philippe voit Jésus qu'il a tout compris. Il y a encore des choses qu'il doit comprendre. Et de la même manière, beaucoup pourraient dire ici, quand mes yeux se sont ouverts, que j'ai compris qui était Jésus, je n'avais pas tout compris. Puis j'en apprends encore et encore. Et on a chanté ce matin, je veux te connaître plus. Parce qu'on est conscient que ce qu'on a connu, c'est formidable, mais qu'il y a peut-être encore d'autres choses à comprendre, à connaître et à saisir. Alors, voilà ce que Philippe dit. André avait dit à Simon, on a trouvé le Christ, mais Philippe dit à Nathanaël, nous, celui dont on a trouvé, c'est celui dont Moïse avait parlé. Et Nathanaël répond, verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Nathanaël est méfiant, sceptique. Il dit, « Tu me dis qu'il vient de Nazareth ?» Et voyez, le témoignage de Philippe n'est pas précis. Il dit, « C'est Jésus celui qui vient de Nazareth. » Et Nathanaël, quelque part, connaît peut-être plus la Bible que Philippe. Son nom, d'ailleurs, est plus hébraïque que Philippe. Philippe, c'est un nom grec, c'est celui qui aime les chevaux. Mais Nathanaël, là, on est plus avec Dieu qui donne. Mais Philippe, Nathanaël, Philippe dit, il vient de Nazareth, Philippe dit, et Nathanaël dit,
s'il vient de Nazareth, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Parce que Jésus ne vient pas tout à fait de Nazareth, vous le savez, il est né à Bethléem. Mais Philippe lui dit, écoute, je ne sais pas. C'est comme si Nathanaël lui pose une colle théologique. Ça vous a déjà arrivé, vous? Vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, puis la personne vous demande de vous expliquer les cavaliers de l'Apocalypse? Non? Vous demande de vous expliquer ce qui va se passer avec ceci, cela. Et Philippe dit, écoute Nathanaël, là, je ne sais pas. Tu dis que de Nazareth, il ne peut rien venir de bon. Moi, je sais une chose. C'est un peu ça ce que dit Philippe. Je sais une chose. C'est que je l'ai vu. C'est que je l'ai rencontré. C'est que je l'ai touché. C'est que je l'ai entendu. C'est que je sais que c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Nathanaël? Il dit, ce que j'ai vu, moi, il faut que toi, tu le vois. Et il lui dit simplement, viens et vois. Et quand nous sommes appelés à conduire quelqu'un à Jésus, c'est justement pour que la personne vienne et voit. On ne peut pas tout expliquer. Et ce que nous avons vécu, ce que nous avons expérimenté, la parole que le Seigneur a mise dans notre cœur, ce qui nous a éclairé, quand nos yeux se sont ouverts, il faut que celui à qui on parle de Jésus vive la même chose. Mais comment est-ce qu'il pourra vivre la même chose? En venant à Jésus. C'est pour ça qu'il faut le conduire à Jésus. Et quand il vient à Jésus, Philippe lui dit, viens et tu verras toi-même. Il ne dit pas, je vais tout expliquer, ce n'est pas la peine d'y aller, je vais te faire le compte-rendu. Vous savez, un petit peu comme ceux qui disent, oh, ben, de toute façon, ce n'est pas la peine de lire la Bible, j'ai lu un livre qui explique la Bible. Ou ce n'est pas la peine d'écouter tel message ou telle prédication, ma femme fera le compte-rendu. Et ce n'est pas juste quelqu'un qui parle de quelque chose que quelqu'un lui a dit, que quelqu'un d'autre lui a dit. Et des fois, il y en a qui croient dans un Dieu qu'ils n'ont pas vu. Il dit, mais moi je crois dans ce Dieu parce que lui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait vécu ça et que quelqu'un lui avait dit que... Puis c'est peut-être des très bonnes histoires. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas croire seulement ce que tous les autres peuvent dire. La vie chrétienne, c'est voir. La vie chrétienne, c'est expérimenter. Et c'est pour ça que Philippe dit à Nathanaël, il faut que tu viennes et il faut que tu vois toi-même. Non pas je vais t'expliquer, regarde. Je vais te faire mon étude théologique. Non, Philippe dit, je comprends, ou peut-être qu'il ne comprend pas, il dit, c'est quoi le problème avec Nazareth? Ben, y a un problème, parce que effectivement, le Messie, il ne vient pas de Galilée, il doit venir de Bethléem, de Judée. Nathanaël le sait, mais Philippe n'en a même pas conscience. Mais Philippe lui dit, je ne suis pas capable d'expliquer ta question là, je ne comprends même pas ta question peut-être, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez compétent pour faire de la haute théologie avec toi. Mais je sais une chose, c'est que celui que Moïse a annoncé, celui que la loi et les prophètes ont annoncé, c'est lui, c'est Jésus. Il est l'accomplissement de la prophétie. Je le sais, et pour que toi tu le saches de la même manière, il faut que tu le vois comme moi je le vois. Alors il lui dit, viens et vois. Verset 47. Jésus voyant. C'est Jésus qui voit maintenant. Vous voyez, le verbe voir est partout ici. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. On est toujours dans ce mode-là ici. Personne ne pouvait voir ça, mais Jésus l'a vu. Jean-Baptiste a vu plus que ce que les autres ont vu. Et la plupart de ceux qui rencontrent Jésus voient quelque chose de plus que ceux qui ne l'ont pas vu. Et là, c'est Jésus qui voit, et qui voit ce que les autres n'avaient même pas vu, ce que Philippe n'avait même pas vu. Et verset 48, Nathanaël répond, « D'où me connais-tu ? » Ce que Jésus voit, voir, c'est connaître. Il a vu, « Comment tu me connais ?» Et Nathanaël va être appelé à faire le même parcours. Jésus lui dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et vous voyez que voir, ça marche dans les deux sens ici. De la même manière que trouver. C'est Jésus qui l'a trouvé, mais Philippe dit, on a trouvé. Et là, on dit, mais c'est moi qui dois le voir, mais il te voit déjà. On a parlé de Zachée la semaine passée. Jésus a vu Zachée dans un arbre. Et peut-être quelqu'un dira, mais moi, Jésus ne me connaît pas. Je ne sais même pas qui c'est. Il n'a aucune idée de qui je suis. Il te voit et il te connaît. Nathanaël est surpris en disant, mais comment est-ce qu'il me connaît?
comment est-ce qu'il m'a vu? Et apparemment, il y a un insight ici, puisqu'il lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et nous, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? Vous le savez, vous? Et ils disent, il va nous le dire, là. Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu là, sous le figuier. Est-ce que Nathanaël était en train de prier? Est-ce qu'il était en train de dire quelque chose? Est-ce qu'il était en train de faire quelque chose? Mais Jésus dit, je sais. Et de la même manière aujourd'hui, Jésus sait, il te connaît, il te voit. Et s'il dit ça à Nathanaël, c'est pour dire, moi je sais, moi je te connais. Mais c'est à ton tour maintenant de me voir et de me connaître. Il dit au verset 49, Nathanaël répond, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Où est-ce qu'il a vu ça? Où est-ce qu'il a vu que Jésus était le roi d'Israël? Où est-ce qu'il a vu que Jésus est le Fils de Dieu? Parce qu'il voit plus que ses propres yeux voient. Il y a une révélation ici, une compréhension théologique. Et Jésus répond à Nathanaël, verset 50, il lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ?» Et il lui dit, « Tu verras, on est encore avec le verbe « voir », de plus grandes choses que celles-ci. » Tu as vu que Jésus était le Christ, le roi d'Israël, le Fils de Dieu. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il dit, « en vérité, vous verrez » On a le verbe « voir » quasiment à chaque verset dans ce passage-là. Hein. « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » On dit, c'est quoi le rapport? Franchement, ça vient d'où cette phrase? Pourquoi Jésus nous parle tout d'un coup d'un ciel ouvert, des anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme? On n'en sait rien, hein. Alors certains théologiens vont dire, ah, ben, peut-être que Nathanaël était en train de méditer sur Genèse 28, mais on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus fait référence à Genèse 28 ici. C'est quoi Genèse 28? C'est l'histoire qu'on appelle l'échelle de Jacob. Ça vous dit quelque chose? Genèse chapitre 28, verset 10, Jacob part de Beersheba pour aller à Charan. Il arrive dans un lieu où il passe la nuit, il fait nuit, il prend une pierre, il dort là, il dit au verset 12, il a un songe. Et voici, il y a une échelle qui est appuyée sur la terre et qui va au ciel. Une grande échelle, hein, de la terre jusqu'au ciel. Et des anges montaient et descendaient par cette échelle. C'est les mots que Jésus emploie. Et puis, l'Éternel est là, il parle à Jacob et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » Il dit, « Je te donnerai cette terre. » Il dit, « Ta postérité sera comme la poussière, ainsi de suite. » Il dit au verset 15, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Donc il lui fait des promesses de sécurité, de protection. Et verset 16, « Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Est-ce que ce matin, il y en a qui sont dans le même mode que Jacob et qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de dire assurément, Dieu est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et pourquoi est-ce qu'on dit que Emmanuel, Dieu avec nous, est là, au milieu de nous ce matin? Parce que déjà, il nous l'a promis. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais pas simplement parce que techniquement, il devrait être là parce qu'il l'a promis. Mais parce qu'on le sait. Parce qu'on l'a vu. Parce qu'on l'a touché. Parce qu'on a expérimenté. Et si on dit ce matin que Dieu est vivant, si on dit ce matin que c'est vrai, que le message de la Bible est vrai, si on dit ce matin que Jésus change et transforme les vies, c'est pas parce que c'est techniquement possible, parce que le texte le dit. C'est pas seulement ça. C'est aussi parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on l'a touché, parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'on peut dire « Il a changé ma vie ». Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'arrive à la conclusion et les musiciens peuvent s'approcher. À la toute fin de l'évangile de Luc, quand ils sont là sur cette montagne, il est dit, Luc 24, 45, « Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, que le Seigneur puisse vous ouvrir l'esprit
pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et j'insiste sur le verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Et cette phrase n'est pas seulement pour les disciples à Béthanie, elle est pour chacun d'entre vous, d'entre nous ce matin. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins si vous l'avez vu, si vous l'avez saisi, si vous l'avez touché, si vous avez compris que Christ, qu'il est mort pour le pardon des péchés et que par la repentance, on peut accéder à une vie nouvelle, à une vie transformée, qu'il est vraiment ressuscité. Est-ce que ce matin, il y en a qui sont témoins de ces choses? Vous êtes témoins de ces choses. C'est votre rôle. C'est le rôle d'un chrétien. Un chrétien doit être là pour être témoin de ces choses. Sinon, vous ne servez à rien. Franchement. Si vous n'êtes pas témoin de ces choses, autant aller au ciel tout de suite. Pourquoi attendre sur la terre encore, avoir mal aux genoux, avoir mal à la tête, avoir un petit problème, un petit bobo, et puis supporter nos voisins qui sont pénibles ou je ne sais pas quoi encore? Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Si vous êtes là sur terre, et si vous avez vu, si vous avez connu, si vous avez touché, c'est pour être témoin de ces choses. Si vous n'êtes pas témoin, ben vous servez à quoi? Si la lumière est allumée en vous et qu'elle ne brille pas, ça sert à quoi? Autant aller au ciel tout de suite. Hein? C'est du temps perdu. Vous êtes là juste pour gagner de l'argent, vous n'allez pas l'emmener au ciel. Hein? Vous êtes là pour construire une maison, et après, qui va s'en occuper? Vous êtes là pour quoi? Ah, on est là pour goûter des plaisirs de la vie. Waouh, j'ai pu aller faire un voyage, je suis allé dans le sud, je me suis acheté ça, j'ai fait ceci. Tu sais, au ciel, c'est bien mieux. Hein? Au ciel, c'est pas le sud, mais c'est bien mieux que le sud. Hein? Il ne fait pas froid. Enfin, je pense pas. Hein? Je sais pas. En tout cas, on est bien. Mais comprenez que Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. Et chaque chrétien, comme les premiers disciples, et si vous êtes disciples de Jésus, vous devez dire à tous ceux qui sont autour de vous, à ceux de votre famille, à ceux de votre ville, à votre entourage, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le roi d'Israël, j'ai trouvé le Christ, j'ai trouvé celui qui a changé ma vie et qui peut changer la tienne. Et Jésus continue verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est le récit de l'ascension dans Luc 24. Et Luc répète le même récit dans les Actes, Actes 1-8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est ce que Dieu attend de vous. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au Québec. C'est ça, les extrémités de la terre? Ça dépend d'où on part. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à ses yeux. Et je conclue avec un tout dernier texte dans Actes 22. L'apôtre Paul raconte sa conversion. Il dit, quand je me suis converti, j'ai vu le Seigneur, j'ai entendu sa voix. J'ai même été aveugle 3 jours et après j'ai vu. Et voilà ce qu'il dit dans Actes chapitre 22 verset 12 et je le lis dans la Nouvelle Bible Second. Il dit, or un certain Ananias, un homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs habitaient là, rendait un bon témoignage, il est venu vers moi et m'a dit, Saoul mon frère, retrouve la vue. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, que vous retrouviez la vue, que vous voyez Jésus, retrouve la vue. À ce moment même, j'ai retrouvé la vue et je l'ai vue. Ça en fait des vues hein, là-dedans. Il voit maintenant. Et il dit au verset 14, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix. Et ce que Ananias dit à Paul est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu veut que vous connaissiez sa volonté, pas que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul utilisera ce même vocabulaire en disant que vous discerniez, que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, agréable, parfait, que vous connaissiez sa volonté, que vous voyez le juste c'est Jésus ici, et que vous entendiez sa voix. Puissiez-vous ce matin voir, connaître, entendre.
Ça, c'est le verset 14. C'est ce que tu dois faire, Paul. C'est ta destinée, c'est ce que Dieu veut pour toi, que tu connaisses, que tu vois, que tu entendes. Et regardez le verset 15. « Car tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. » Et Paul, si Dieu veut que tu vois, si Dieu veut que tu entendes, c'est pour que tu sois témoin de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Et ce matin, si Dieu veut que tu vois sa gloire, que tu vois qui il est, que tu entendes, que tu connaisses, c'est pour que tu sois témoin. Sinon, il y a un problème. Tu seras témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. Et il pose cette question au verset 16. Et peut-être que cette question s'adresse à nous ce matin aussi. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Fais-le! Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour être témoin? C'est quoi le problème? T'es timide? Mais il a donné un esprit qui n'est pas un esprit de timidité. C'est quoi le problème? T'as honte? Mais j'ai pas honte de l'évangile, dit l'apôtre Paul. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le problème peut-être, c'est que t'as pas compris ce que t'as vu. T'as pas compris la richesse, l'importance du message de l'évangile. Si tu comprends la grandeur du message de l'évangile, tu peux pas garder ça pour toi. Si tu comprends qu'il y en a autour de toi qui ont un sort éternel, abominable, tu dis, ah, je suis content, moi je suis sauvé. Bah, tant mieux, mais pas eux. Ah, bah, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Jésus veut que tu sois témoin. Et si tu réalises ces choses, que tu vois ces choses, tu ne peux plus rester sans rien faire. Il faut que tu prennes quelqu'un et que tu le conduises à Jésus. Il faut que tu prennes quelqu'un et que tu lui dises ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je ne peux pas le garder pour moi. Alors pourquoi tardes-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de ton péché en invoquant son nom. Et je reviens au verset 15. Tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons laisser ton esprit parler, toucher nos cœurs ce matin et de dire, Seigneur, pour celui qui n'a pas vu encore, pour celui qui n'a pas compris, pour celui qui n'a pas saisi, pour celui qui n'a pas réalisé l'extraordinaire beauté de l'Évangile. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les yeux, que les écailles tombent, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent entendre ta voix, qu'ils puissent connaître. Comme dira l'apôtre Pierre, nous avons cru, nous avons connu, nous avons vu. Et nous voulons être témoins de ces choses. Et nous disons en tant que chrétiens, pardonne-nous les fois où nous avons gardé ça pour nous. Seigneur, tu veux que nous soyons des témoins. Tu veux, Seigneur, qu'on conduise du monde vers toi. Qu'on leur dise à ceux de notre famille, à notre entourage. Seigneur, nous voulons leur dire ce matin, viens à Jésus. Seigneur, nous venons devant toi avec repentance. Nous venons devant toi avec action de grâce. Et nous disons, Seigneur, fais de nous tes témoins. Nous voici pour dire haut et fort ce que tu as fait dans nos vies. Et peut-être si nous on se sent incapable, faible, petit, incompétent, et nous le sommes, nous disons merci pour l'esprit que tu as envoyé. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Merci pour l'esprit que tu déverses dans nos cœurs, afin qu'il n'y ait pas de la timidité. Merci pour l'esprit que tu déverses dans nos cœurs, pour que nous soyons animés pour être témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce matin que ton esprit fasse une œuvre dans le cœur, un réveil spirituel, et qu'on puisse rentrer dans notre destinée, dans la mission que tu nous as confiée, d'être une église qui brille dans un monde de ténèbres et qui est témoin de la bonne nouvelle.